Eh bien salut et bonjour à tous, c'est Coach Nico. Donc on se retrouve pour la suite de la carrière avec Carlisle. Où là va falloir franchement faire quelque chose puisqu'on ressort de 4 purges, puisque certes on a fait 0-0 contre Sunderland, où on a gagné au pénalty derrière, mais bon derrière on perd 1-0 contre le dernier du championnat. On fait 0-0 contre l'avant-dernier et on se fait corriger mais 4 buts à 1 contre Oldham qui joue le haut de tableau. Au niveau de la Ligue 2, on va dire que là ça va plus, on est 13e. On est 13e, on n'a pas énormément de retard, mais on a du retard quand même. On a 4 points de retard sur le premier qui a un match en retard en plus. Donc là c'est pas possible, il faut renouer avec la victoire. Alors pour ça, c'est très simple, j'ai changé de tactique. Donc j'ai pris un 4-4-2. J'ai pris un 4-4-2 tout simplement. Donc je vais leur demander d'être un petit peu plus disciplinés. Donc là va falloir faire quelque chose de toute façon. Mes latéraux, de toute façon, ils vont passer en défense. Ou en auto. Non, en défense. Défense ou auto? On va les mettre en auto. Oula, je fais de la merde. On va les mettre quand même en auto. Automatique. Arrière latéral automatique. Voilà, là ça sert à rien de. Ça sert à rien de jouer trop offensif et de se découvrir. Là j'enlève un milieu de terrain, ce qui nous fragilise un petit peu. Donc voilà. Donc Kalumgi. Donc lui il prend sa place dans le 11. Il revient de blessure. Je pense qu'il va être rapport. Rapport. Non. Rapport forme. Rapport forme. Donc entraînement léger. Ouais. C'est ça. Donc blessé. Donc là, il a été les 4 derniers matchs. Donc j'ai préféré le reposer, les 5 derniers matchs même. Donc là, c'est le moment pour qu'il revienne. Il s'est bien reposé, donc pas de risque de blessure. Cohésion d'équipe, bah, va falloir travailler ça toujours. Hein, toujours, parce que la cohésion est très mauvaise. Et je pense que ça joue forcément sur les résultats. Les joueurs ne se comprennent pas encore bien. Donc ça, le problème, les petites passes, les petites erreurs techniques. Bon, c'est pas ça. Alors. Donc là, on va jouer contre Grimsby, qui sont donc, ils sont combien? Ils sont 12e. Donc là, c'est un concurrent direct. Et ben, on est parti. On est parti, les potes. Réunion tactique. Tac. Consigne particulière, c'est très bien. Sélection de l'équipe. Et ben, on va pouvoir y aller. Guy et Gavin Reilly. Ouais, j'ai mis le petit Gavin Reilly aussi, je le sentais plutôt pas mal. Pour moi, il a plutôt une bonne feuille, un gros volume de jeu surtout. Donc il pourra bien épauler Zanzala. Zanzala qui malheureusement se retrouvait un peu trop tout seul à mon goût quand il y avait des phases offensives. Bah oui, on y va, tout va bien. Tout va bien, et ben c'est parti. Les points serrés, donnez tout ce que vous avez. Ouh, Anderton, ça l'a bien motivé, ça. Alors, mesurer. Pouah, ok. La causerie de merde. Allez, on est parti. On est parti. Attention, Anderton. Anderton qui peut la mettre sur Zanzala. Zanzala, ouh, le petit corner de gratté. Au bout de 20 secondes, ça fait du bien. Charters, non, corner très mal tiré. Attention, Guy. Guy. Zanzala. Ouh là là, c'est dommage. C'est dommage, mais les intentions sont là du côté de Carlisle. Voilà, il suffisait que je vous mette gueule de toute façon. C'est tout le temps pareil. Allez, Charters, Walker. Walker prend son temps. Ah, Reilly qui a pas pu ajuster, c'est dommage. Attention, Anderton. Belle.
Charter ce qui se... Oh, Walker! Goal. Voilà ce que je voulais voir. Voilà le but de la tactique. C'est aussi qu'on soit un petit peu plus offensif. Et ça, c'est vraiment appréciable. Allez, on va féliciter tout le monde. Excellent début de match. Tanner pour Walker. Bon, c'est dégagé. Edwards. Bien joué, Bennett. Oula, Lewis Bell qui va pouvoir lancer la contre-attaque. Oh, qui trouve en profondeur Zanzala qui fixe. Zanzala pour le 2-0. Bah voilà ce que je voulais voir. Voilà ce qu'on voulait voir. On aurait dû jouer comme ça depuis bien longtemps. Putain, l'arbitre, on dirait qu'il a la même chemise que... Merde, Rick dans Walking Dead, là. Attends, c'est Rick ou Carl? Ah, c'est Rick, le vieux. Enfin, le père avec son chapeau de cowboy, quoi. Attention, Tanner, Walker, Rayleigh. Alors, je crois que j'ai dit... Oh, Lewis Bell! Lewis Bell qui marque enfin! Voilà, je mise tout sur lui depuis... Enfin, je mise pas tout sur lui, mais... C'est ma petite pépite. Depuis le début de la saison, c'est vrai que j'insistais avec lui alors qu'il joue pas très très bien. Et là, enfin, il me donne raison, quoi. Une passe décisive pour Zanzala sur l'autre but. Ça le met en confiance. Et là, il devance parfaitement McCown. Parfait. À la limite du hors-jeu. Ouais, bon, petite erreur de parcours. Ça arrive. Ouais, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé dans les intervalles. Et puis après, le gardien ne peut rien faire dessus, clairement. C'est pas très grave, mais il faut pas s'en prendre un deuxième. Allez, Walker. Dommage, c'était osé. Et bah tout se passe bien. Tout se passe bien. Même si on se fait dominer au niveau des stats, on peut pas se mentir, on a été efficace. Mi-temps. Mi-temps bien mérité. Alors, vestiaire. Je suis très content de ce qu'on fait. Continue sur ce rythme. Walker qui commence un peu à accuser le coup, comme Bennett et Tanner. En même temps, je les sollicite tout le temps. Tout le temps. Zanzala qui contourne bien. Ça permet au bloc de remonter. Oh, il trouve parfaitement Charters. Ah, le gardien qui peut dégager. Bien joué, Farman. Edward. Très bon jeu. Bon, j'ai dit qui Walker, Bennett, Tanner.
Walker Bennett Tanner. Ah, il joue bien. Oh merde. Ça m'emmerde. Tac tac tac. Ouais, on va continuer un peu. Ok, Tanner, il est Cramax. Tanner, George Tanner. Joe Riley. Attention, Tanner justement avant de sortir. Alessandra, Guy. Guy, ça fait très français. D'ailleurs, j'avais dit devine pour un de mes joueurs là qui est même pas sur le banc, je crois. Donc apparemment, ça se dit Devine. Donc j'imagine que Guy, ça se dit pas Guy. Guy, peut-être. Ok, donc toute ma défense est HS. Lewis Bell. Attends, Anderton. McDonald. Bennett. Voilà, et Lewis Bell. Parce que je vais quand même garder un défenseur. On va mettre Scott à la place. Attention, Zanzala. Zanzala qui la met pour Anderton. Anderton, c'est dommage. Quoi? Ah, hors jeu. Ouais, bon, on va pas se faire surprendre. On va verrouiller un peu tout le jeu. Tac et tac. C'est bien trouvé, on peut rien faire dessus. Allez, Alessandra. Alessandra, non. Ça passe pas. Ça passe pas à la contre-attaque. Faire attention là. Pas la clim, pas la clim. Pas après une première mi-temps comme ça. Ouh, corner. Attention, Williams. Williams s'est bien dégagé. Wow. Sans souci. Attention, Riley, Guy, Zanzala. Wow, foufoufou, ça s'est joué à peu de choses. Attention, il reste 2 minutes 30. 2 minutes 30, non. Il tirait. Right, oula, c'est du 3 contre 2 là. C'est du 3 contre 2. Ça part au-dessus. Jean Prudent. Attention, Hayden, il reste 40 secondes. Il reste 40 secondes. Allez, dégagez-moi ça. Ouais, il joue en full offensif là. Clifton, Clifton, Clifton qui peut centrer. Pouh, c'est bien sauvé ça. Très très bien sauvé de la part de McDonald. Williams au corner. Dernière action du match. Wow, Farman qui peut s'étendre. Et il dégage vite le ballon. Et c'est la fin. Et voilà, on a renoué avec la victoire. Parfaitement déroulé ce match. Quel exploit, exactement. Eh bien écoutez, c'est pas mal, ça permet de remonter un petit peu au classement. Du coup, on est dixième. On est dixième à 3 points du premier. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Niveau différence de but, on est à moins 1. Ouais, on s'est pris une gifle. On s'est pris une gifle par Oldheim. On s'est pris une gifle. Donc du coup, prochain match contre Morecambe. Morecambe, 16e. Bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Et on joue mardi. On joue dans peu de temps.
On joue dans peu de temps. Calendrier. Non, entraînement. Tac, tac, tac. Calendrier, entraînement. Récupération physique, tactique. Ouais, t'as rien en fait. T'as rien, je vais mettre du repos. Présentation du match. Il n'y a pas d'entraînement. Alors, elle en est où la Ligue 1 d'ailleurs? Voilà, Rennes, qu'est-ce qu'ils font? Pas normal ça. Ah, tac 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 tac. Scott Simmons. Oh, pas mal. Ouais. Volume de jeu 3. Non. C'est nul. Premier tour de la Coupe d'Angleterre, tirage au sort. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a de la Ligue 1, mais c'est tout. Hein. Il n'y a pas de la PL, tant mieux. Allez, oh, ouais, j'ai la flemme. Tirer toutes les équipes. Trrr, on est où? Doncaster, Ligue 1, ok. Bon, on n'aura pas le choix. Alors c'est quand ça? C'est quand? Alors là, on joue là. Eh ben écoutez, ce sera l'épisode de vendredi où on jouera effectivement le premier tour de la FA Cup. Et on jouera contre Fleetwood également. Notre dernier match. Alors d'ailleurs, ça se passe comment ça? On en est où? Eh ben on en est qu'on doit au moins faire un match nul. On doit faire au moins un match nul, quitte à le perdre. Mais en tout cas, faut pas qu'on perde et que Sunderland gagne, sinon on est expulsé. On n'est pas qualifié. Et ça sort de question. Bon. Alors, sélection équipe. Sélection équipe. Lewis Bell, je suis désolé, mais je peux pas. Je ne peux pas. Je vais mettre le petit Scott à la place. Ici, donc Bennett, McDonald et. Ouais, on va plutôt gérer ça comme ça va être plus simple. Et on valide. Allez, on passe au match. J'arrive pas à les motiver, c'est fou ça. Allez, coup d'envoi. Et bon, on est parti. C'est bien ça pour Guy Zanzala. Oh la barre! Putain, la minace qu'il a mis. Allez, on encourage. Pringle. Ah, des mouchoules quoi. Pringle. Zanzala. Zanzala. Ah, c'est dommage, Scott.
Scott. Ah, c'est dommage ça. Ouais, je pense que ça va passer ça. Ça va passer, mais de toute façon, il faut qu'on. Il faut qu'on arrive à marquer. On est à domicile là. Voilà, c'est bien défendu ça, Anderton. Anderton, c'est pas mal. Est-ce qu'on a trouvé enfin notre tactique? J'aimerais. J'aimerais bien. C'est bien parce que quand je vois les équipes adverses, je me dis qu'il n'y a pas que mes joueurs qui sont cramés, quoi. Et on va les encourager. Faut aller de l'avant. Faut aller de l'avant. McDonald, Charters, Rayleigh, Guy, 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 je sais pas. Scott, voilà, du bout des doigts le gardien. C'est Turner le gardien. Agiter les bras. Attention Guy, allez. Faut leur rentrer dedans là. Faut absolument leur rentrer dedans. Ouais, Tanner, 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 toujours Tanner. Il joue bien Tanner. C'est ça le problème. Finney, Walker, Guy, Charters. Charters pour Scott. Scott, allez, vas-y. Anderton. Anderton qui peut rentrer. Ouais, mais c'est 500 pour personne ça. Ouais, je pense que c'est plutôt c'est plus Guy que Guy quoi. Wow. Stockton qui la met pour Gibson, Phillips pour Pringle. Ouf. Ça passe pas loin. Alors 6-3 Riley. En fait, je suis plus en train de changer par rapport aux notes que. Plus en train de changer par rapport aux notes qu'à la fatigue. Tanner, ouais, mais je peux. Ah si, Tanner, je peux. Ouais, deux petits changements. Attention. Mellor. Mellor, ça s'est contré. Phillips. Phillips pour Mendes Gomez. Et c'est hors-jeu. Voilà. Très très bien ça. Farman, Scott, Charters, Charters pour Guy, Guy pour Scott, Scott pour Zanzala, ah c'est corner, ah c'est dommage, c'est vraiment dommage, attention Charters au corner, wow, c'est dans les bras du gardien, Gibson, Gibson pour McDonald qui peut dégager mais c'est Phillips qui les récupère, Phillips, Phillips qui retourne derrière, Gomez. Wow, Farman qui est dessus. Mais il y avait hors-jeu. Encore une fois. Kalongi s'en a tout donné. Ouais, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Ça, il me reste 3 changements. Il me reste 3 changements. De toute façon, le but c'est de ne pas se prendre de but. Le but c'est pas de. C'est pas se prendre de but. Ça c'était intelligent ça. Guy Charters. On va mettre Foreman à la place. Et un petit dernier pour la route. Lewis. Voilà. Ouh Foreman. J'ai juste vu ce qu'il y avait à la fin de l'action là. Allez, on encourage. Hendry pour Bird. Eh, laissez pas ça passer. Oh là là, on se fait un peu dominer là.
On se fait un peu ouvrir. On a de la chance là-dessus. On se fait clairement dominer en fin de match. C'est pas bon ça. Attention, Turner qui dégage. Allez, Turner. Turner, il la met loin devant. Il se trouve la défense, il se trouve. Tormet. Ouah, bien joué, Foreman. Allez, il reste 2 minutes 30. 2 minutes 30 à tenir. Non, c'est terminé là-dessus. Davis. Davis pour faire la touche. Suarez. Davis. Ouais. Bon, je pense que c'est terminé. C'est terminé là-dessus. 0-0. Pas un mauvais match. Pas un mauvais match, mais j'ai l'impression que première mi-temps, c'est toujours bon. Et la deuxième, c'est un petit peu compliqué, quoi. La deuxième mi-temps, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc il va falloir continuer. Continuer à travailler la tactique, continuer à travailler la cohésion d'équipe surtout. Et ben en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et puis ben, moi je vous dis à demain. Allez, ciao les potes.